Peu de mal à parler parce que il y a 2 3 jours j'étais grave malade, j'arrive plus à parler et au niveau de la langue, les dents et tout, ça fait super mal, je mangeais plus. Oh my god, j'étais chaud. Du coup, là ça va un petit peu mieux. Il a fallu que je fasse une vidéo parce que c'est bientôt la rentrée et j'ai rien fait encore. Et puis, ça fait un moment que j'ai pas tourné une vidéo, je dis je m'en fous, faut que je tourne une vidéo. Du coup, voilà. D'ailleurs, mes cheveux ont grave poussé. En plus, après, il faudrait que je fasse des traits. Là, il y a ma mère qui m'attend. Elle va me tuer, je sais même pas combien J'espère de que temps tu je vas vais. bien. En tout cas, ça va super bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo d'ailleurs. Aujourd'hui, je reviens d'éther. Bon, c'est une... je reviens d'éther avec une nouvelle vidéo Back to School. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? What is in my batch cool? Non, c'est pas ça. What is in my school bag? Ça, c'est vous. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de cours. Bon, plus précisément, ce sera pas mon sac de cours tous les jours parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu petit. Bah, mon sac et pour mettre les classeurs et tout, ça va être un peu chaud. Et j'ai la flemme de prendre la main. Ce que je faisais avant. Mais du coup, j'ai changé de sac. Du coup, bah, au fur et à mesure du temps, bah, je vais changer de sac à chaque fois. Enfin, bref, pour la rentrée, je pense que je vais prendre celui-ci. Que pour la rentrée. Donc, pourquoi que pour la rentrée? Parce qu'elle est vraiment trop petite. Et comment vous dire? Mon classeur, je pense pas que ça va passer là-dedans. Après, j'ai pas pris les classeurs, j'ai pris de trieur. Du coup, en soi, ça peut passer encore, mais elle est vraiment trop, trop. Elle n'est pas petite, elle est moyenne. Mais vu que j'ai des trieurs. Non, c'est même pas des trieurs, c'est des porte-vues. Des porte-vues, ils sont un peu grands. Du coup, je pense pas que ça va passer là-dedans. Du coup, bah, je vais changer un peu de sac au fur et à mesure du temps. Mais pour la rentrée, j'ai décidé de prendre ce sac-là. Parce qu'elle est un peu belle, tu vois. En plus, j'aime trop les formes. Formes carrées, cartables et tout. D'ailleurs, je vais te la présenter dans mon haul. Dans mon premier haul que j'ai fait. Je mettrai les liens en barre d'infos d'ailleurs. Bref, on va commencer. What is my... Il y a quoi dans mon sac là? Là, dans le premier poche ici, là. Comme vous pouvez voir, il est un peu grand. Après, j'aime trop les chaînes. Les belles comme ça, c'est trop, trop. Oh my god, c'est trop, trop bon. Vraiment, c'est comme ça là. C'est pas bon. Les petits détails comme ça là. Bref, il y a quoi là-dedans? Ah oui, et les paquets mouchoirs. C'est toujours important. On en est toujours partout. Partout dans mes sacs, il y a toujours des paquets de mouchoirs. Mes masques, c'est hyper important. On met tout le temps tous mes sacs, on en a tout le temps. Et école à fossiles, c'est une faux parce que des fois, vu que je mets en ce moment, je mets beaucoup de fossiles, du coup, il est fou l'école parce que des fois, les fossiles ils s'envolent avec les vents. Du coup, je suis chiant. En fait, c'est un sac, tu peux le porter en bandoulière ou en sac à main, mais moi j'aime bien les deux. Ça dépend en fait. Des fois, quand je suis lourd, je prendrai en bandoulière, mais sinon, à la main. Bref, après, dans les grands poches ici, on va passer aux grands poches. Il y a mon bloc-notes. J'adore travailler avec les bloc-notes. Je sais pas. Et genre les feuilles classiques, les feuilles chiens, feuilles doubles et tout, là, c'est pas trop mes bails. Et là, les bloc-notes, c'est toujours la base. J'en ai tout le temps. Là, dans mon placard, là-bas, il y en a plein. Diamant, j'en ai acheté plein. C'est trop la base et tout. Mon portefeuille, calculatrice, c'est toujours important parce que des fois quand tu fais non, c'est toujours important d'avoir des calculatrices dans un sac, toujours important. Après, j'ai une petite trousse rose que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière, je crois. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, des gels d'infection, excuse-moi, monsieur, des gels de. Des nanas, parfum, c'est toujours important. Ils sont toujours parfumés. En plus, j'adore les parfums. J'en ai plein. Dans tous mes sacs, il y a toujours des parfums. Doliprane. D'ailleurs, il faut que je rajoute, on rajoute d'autres parce que j'en ai presque plus. Rouge à lèvres, c'est toujours important. On sait jamais. Hein. Encore de rouge à lèvres. Celui-ci, c'est marron. Non? Ouais, marron. Ouais, rouge bordeaux. Oh, je sais pas. Encore des mouchoirs, des boucles dorées. Ouais, pourquoi boucles dorées? Parce que le matin, des fois, je n'ai jamais le temps. Miroir, c'est toujours important de me voir. Je vais me regarder d'ailleurs. Je suis pas maquillée aujourd'hui. Ouais, on est fraîche. On est fraîche. On est pour maquiller. Hein. Encore des colles à fossiles. Comme je vous le dis, j'en ai plein, 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 partout dans le sac. Des pansements, on ne sait jamais. Et lima en. C'est toujours important. Là, bon, là, j'ai pas d'angle, mais des fois, quand je mets des. Comment ça s'appelle? Les faux ongles.
faut toujours que je l'aime parce que des fois il y a des trucs qui dépassent. Enfin bref, c'est toujours important. Donc voilà. Ensuite, il y a ma trousse du coup. Hein. Bon, c'est un peu basique. C'est très long et tout. C'est quoi ça? Ah oui, c'est des agrafeurs. Des agrafeurs. Et après, voilà. Des trucs dans le trou. Hein. Comme dans l'entrée. Hein, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on va passer dans le petit poche ici, là. Donc, il y a quoi là-dedans? Ah ouais, ça, c'est bien. Ah, encore des masques. Paire de lunettes, c'est toujours important. J'aime bien ramener des lunettes, parce que des fois, il fait chaud, là. Quand on a envie, moi, j'aime trop. Bon, là, ça va pas du coup avec mon look, hein. Mais, lunettes pour faire des photos, en cas où, dans la rue. D'ailleurs, ça, c'est nouveau, je viens d'acheter. Et faire bientôt un haul d'ailleurs. Ouais, pas les derniers sacs et les trucs. Je sais pas quand je vais le sortir, mais je vais bientôt le faire. Faut vraiment que je le fasse d'ailleurs. Donc, ça c'est la poche. Et après, voilà. Donc, il n'y a plus rien. Bon, ça c'est des tickets de je sais pas quoi. Faut vraiment que j'allais payer. C'est mon ticket de amende des trains. Du coup, voilà. Bon. Donc, voilà, dans mon sac, il n'y a plus rien. Je me dépêche parce que là ma mère elle est en train de gueuler dessus parce que je suis en retard pour faire les traites. Enfin bref, de toute façon c'est la fin de la vidéo donc faut vraiment que je la termine aussi. Donc je disais d'ailleurs la vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi sur ma chaîne si j'ai pas encore fait, activer la petite cloche et puis bien sûr sur mes réseaux sociaux Instagram, TikTok, Snapchat. C'est là où je passe beaucoup mes quotidiens, passer du temps avec vous. Je suis moins sur YouTube mais au moins là-bas je suis présente, tu vois, je suis plus active. En bref, du coup voilà, je vous fais un gros bisou, on se retrouve à la prochaine vidéo.